Salut tout le monde, c'est Arnaud et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver enfin pour parler des AirPods Pro, les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple. On va les découvrir tout de suite. Allez, c'est parti! Pro ou pas, ils sont livrés dans une boîte qui est quand même très similaire aux AirPods classiques, mais le contenu est un peu différent. Alors, ces AirPods Pro sont, comme leur nom l'indique, un modèle premium par rapport aux classiques qui sont vendus à partir de 179 ou 229 euros pour le modèle avec le boîtier de charge sans fil qui est inclus de base avec ces AirPods. Comme avec les modèles pour les mortels, vous avez la possibilité de faire graver le boîtier lorsque vous le commandez en ligne chez Apple. Mais évidemment, je vous le déconseille si vous prévoyez de revendre ces écouteurs à un moment, parce que vous vous doutez bien que personne ne voudra les acheter avec votre nom dessus. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez quelques notices, mais pas d'autocollants Apple, étant donné que c'est des accessoires. Vos AirPods Pro évidemment, ainsi que des embouts pour ajuster les écouteurs à vos oreilles, ainsi qu'un câble qui, une bonne nouvelle, est un câble Lightning vers USB type C. Apple fournit 3 tailles d'embout pour vous permettre de les ajuster très simplement. Vous avez juste à tirer ceux qui ne vous conviennent pas et à clipser les nouveaux. C'est super simple et c'est super pratique. Si vous perdez des embouts, sachez que Apple les vend à l'unité pour 4 euros. Au niveau de la configuration, c'est tout aussi simple que d'habitude et c'est en partie ce qui a fait le succès des AirPods, à savoir leur simplicité qu'Apple aime bien qualifier de magique. Vous ouvrez la boîte, vous l'approchez de votre iPhone et vous vous laissez guider. C'est un peu plus long car le processus prend le temps de vous expliquer de nouvelles fonctionnalités comme la réduction de bruit ou l'annonce des messages avec Siri, et puis comment utiliser vos AirPods avec les petites surfaces sensibles à la pression sur les tiges de ces derniers. Une fois que c'est fait, la première chose à faire est d'aller dans les réglages des AirPods Pro, dans le menu Bluetooth des réglages afin d'effectuer un test de positionnement. Ça c'est assez sympa, Apple va envoyer de la musique dans vos écouteurs pour déterminer si vous avez besoin de changer les embouts. Alors la principale nouveauté de ce modèle Pro, c'est donc son tout nouveau design qui est donc intra-auriculaire et qui va permettre une réduction active du bruit ambiant. Les écouteurs vont analyser les sons à l'extérieur et à l'intérieur de votre oreille environ 200 fois par seconde et vous retransmettre un son qui va être inverse et donc permettre l'isolation du bruit ambiant de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut être un peu dangereux dans les transports en commun ou dans la rue par exemple, vous ne pouvez pas entendre les voitures qui passent à côté de vous. Du coup, Apple a prévu un mode transparence qui va vous permettre d'entendre les bruits qui vous entourent. Comme d'habitude, le boîtier des AirPods vous permettra de les recharger plusieurs fois, donc vous les mettez dans leur boîtier quand vous avez fini de les utiliser. 5 minutes de charge vous permettra d'avoir une heure d'autonomie en plus, donc c'est vraiment de la recharge super rapide. Le boîtier, lui, tiendra 24 heures en tout, et quand vous avez besoin de le charger, vous utilisez le port Lightning qui est tout en bas. Apple fournit donc un câble USB type C comme on a vu dans le déballage. Donc sur ces AirPods Pro, vous avez différents modes d'écoute. Vous avez la réduction du bruit, rien du tout, et le mode transparence. Faut savoir du coup que le mode transparence est plus efficace que le mode rien du tout en fait, parce que rien du tout ça va quand même boucher votre cordon auditif. Là le mode transparence va utiliser le micro pour entendre ce qui se passe autour de vous et vous retransmettre les sons à travers les haut-parleurs. Alors c'est un peu particulier mais c'est quand même vachement plus efficace que ce qu'il y a par exemple sur le Bose QC35 qui vous donne l'impression que les bruits qui sont retranscrits sont vraiment juste genre à l'entrée de vos canaux auditifs. C'est assez particulier, là c'est vraiment beaucoup plus naturel sur les AirPods. Pour changer le mode, en fait, c'est super simple. Vous appuyez sur la petite tige qui est sensible à la pression et vous passez dans un autre mode. Là, je viens de passer du mode réduction de bruit au mode transparence, donc j'entends vraiment ce que je dis. Avant, j'avais l'impression d'être dans un tunnel, c'était pas très agréable. Et puis, vous pouvez aussi, avec un appui court, mettre sur play ou sur pause. Ces petits clics, ils remplacent en fait les doubles tapes qu'il y avait sur les anciens AirPods, qui étaient, je trouve, pas pratiques au possible. Là, c'est vraiment beaucoup plus efficace avec ces petits clics qui sont sensibles à la pression. Et honnêtement, au moins vous savez que ça marche. Alors moi, pour tout vous dire, je suis vraiment pas fan des intras de base. Du coup, j'étais vraiment très sceptique quand Apple les annonçait. Là, c'est quand même beaucoup plus agréable que les intras que j'ai testés par le passé. Mais ça reste des intras où vous avez toujours la sensation d'avoir quelque chose dans le conduit auditif. Même si, Apple a fait le choix de ne pas avoir de partie dure qui rentre dans le conduit auditif. Vous avez en fait juste la partie en plastique, en fait, tout simplement, qui rentre dans le conduit, donc c'est quand même beaucoup plus agréable, mais ça reste des intras. Ce côté intra, c'est quand même assez bizarre pour moi, ce qui vient des AirPods classiques, qui n'est pas utilisé d'intra depuis des années. Faut s'habituer, honnêtement, faut voir dans quelques jours, dans quelques semaines, ce que ça va donner. C'est ce que je pense qui va diviser le plus les gens sur ces AirPods. Les intras, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, il n'y a pas de mi-chemin entre les deux. Au niveau de la qualité du son, vu que c'est quand même important, c'est des écouteurs qui sont professionnels, c'est quand même beaucoup mieux que les AirPods classiques, mais je suis pas un mélomane, donc je vais pas vous en parler très longtemps. Juste les basses sont quand même bien plus prononcées.
Je vous avoue que pour l'instant, le plus bluffant sur ces écouteurs, c'est vraiment la réduction active du bruit. Je suis sorti tout à l'heure dans la rue, je n'entendais pas les voitures qui passaient à côté de moi ou les gens dans les transports. C'est vraiment pour moi le plus gros point positif, mais je suis pas sûr que ça remplace mes AirPods de tous les jours pour l'instant. J'aime vraiment trop avoir le fait de pouvoir entendre le monde qui est vraiment autour de moi. Même avec le mode transparence, ça reste pas aussi bien. Alors évidemment, comme toujours avec les nouveaux produits Apple, il y a des moqueries. Oui, ça ressemble à Chétif Laure, oui, ça ressemble à un sèche-cheveux, et oui, il y en aura partout dans le métro dans 3 semaines. Mais vous inquiétez pas, on disait exactement la même chose des AirPods en première génération, c'était des cotons-tiges, c'était des boîtes de fil dentaire. On a vu le résultat. Mais voilà, c'était pour l'instant vraiment qu'un premier aperçu de ces AirPods Pro. J'ai vraiment besoin de passer plus de temps avec pour me forger un avis. Pour l'instant, c'est très bizarre pour moi. C'est vraiment un sacré bouleversement pour moi qui utilise mes AirPods depuis 3 ans, tous les jours. Là, j'ai vraiment besoin de me familiariser avec eux et je vous donnerai un avis peut-être dans quelques semaines, voire même quelques mois. Un petit retour d'utilisation, dites-moi si ça peut vous intéresser dans les commentaires. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!